Izimutsu, bienvenue sur Immersive TV, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de RimWorld. Sans plus attendre, on repart, on enchaîne. Puisque vous l'avez vu dans l'épisode précédent, on avait réussi à faire en sorte de sauver de la malaria. Donc une des premières personnes qu'on avait mis, donc une des deux personnes plutôt qu'on avait mis en sommeil, c'est Meowski. Et l'autre, je crois que c'était Rinnick, voilà, c'est ça. Donc on ira la chercher prochainement. Et de ce fait, c'est plutôt une bonne chose, puisque, comme je le disais dans l'épisode précédent, on a vaincu la malaria. Ah bah ça y est. Ça y est. What? Oh, combien ils sont? On a beaucoup de nouveaux animaux. Alors attendez, hop. Voilà, on va faire comme ça plutôt. On a beaucoup de nouveaux animaux là qui se sont incrustés dans le. Hop. Pétard. Oups, petite erreur de manip de ma part, retour bureau. On a beaucoup d'animaux qui se sont incrustés. Je voudrais voir un truc. Zone autorisée, zone animale 1. Hop. Ok. Ouais, comme ça c'est bien. Là ils sont bien. Ok. Parfait. Donc, on a sauvé Mistinguett. On va essayer de sauver maintenant Rinnick. Qui est ici a priori. Ouais. Allez, go. Et dans celui-là, il y avait quelqu'un aussi encore. Je sais pas pourquoi. Je me souviens plus par contre pourquoi il y a quelqu'un dans celui-là. Rinnick, comment était ta santé? Malaria importante, 81% avec 78% d'immunité. Pareil que l'autre, tu viens ici, tu te reposes. Où est-ce que tu vas toi? Tu vas chercher des patates, ok. Très bien. En plus, oui, c'est ça, on les avait enterrés. On les avait cryogénisés. Avec leurs armes. Ok, alors. Tac, 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 tac. Structure, équipement. Zone de couchage pour animaux. Et voilà. Pour le moment, c'est. On est en été? Non, c'est l'automne. Il commence à faire frais à l'extérieur. Commence à faire frais à l'extérieur. Il commence à faire frais. Donc on va pas faire la même erreur que la dernière fois. Du coup je pense qu'il va falloir leur faire une zone fermée en fait à ces pauvres bêtes. Une zone fermée qui sera chauffée en fait. Ou alors on les laisse dans la maison. Oh punaise. Qu'est-ce que c'est? Ça va les gars, tranquille? On vous dérange pas hein? Non, c'est bon, tout va bien. Y a pas de problème. Faites comme chez vous. Je vais leur vendre les toutous hein. Je suis désolé pour ceux qui aiment bien les toutous. Mais franchement, à part les vendre, je vois pas trop à quoi ça va nous servir. C'est la bonne occasion de le faire. Je veux bien, à la limite, acheter un chat. Et une chatte. Parce que c'est rigolo. Et puis tiens, bon. Alors attendez, par contre, est-ce qu'on pourrait pas leur vendre un peu des trucs? Oh, tout le cuir. Est-ce que je vendrais pas tout ce cuir? Non, quoique, il faut le garder, parce que ça pourra nous servir pour faire des fringues. Faut que je me dise ça. Les médicaments, ils les vendent cher. Mais en même temps, on en a besoin, il faut stocker. Hop, on leur vend la drogue. Parfait. Alors, si on pouvait fabriquer de la drogue, par contre, pour la vendre, on pourrait se mettre super bien, je pense. Ils ont de l'or. Ouais, bon, une maison du café. Désolé. Ouais. Du tissu. Non, les 14 pièces, ça m'intéresse pas.
tout ce qui est pâte nutritive et tout ce bordel, on s'en fout. Allez, bon. On a récupéré pas mal de pognon et eux ils se cassent avec une ribambelle d'animaux, quoi, c'est n'importe quoi. Du coup, nous, on a récupéré par contre deux chats. Eux, on va aller leur donner le droit de se balader un petit peu dans la base. Hein, c'est des petits minous, ils sont trop mignons. J'espère que pendant l'hiver, ils seront suffisamment malins pour aller se coucher à l'intérieur. Ensuite, on va mettre des paniers pour les chats. Lit pour animaux. Il faut 45. 43 en cuir de raton laveur. Hop. En cuir de raton laveur. Voilà, à côté du poêle, hein, parce que les chats, on sait qu'ils aiment bien être chauds. Et en cuir de boumalope, on peut en faire un aussi. Allez, feu. En cuir de boumalope. Boumalope. Et le deuxième panier, on va le mettre ici. Voilà. Pour les chachas. Et pour pas qu'ils aient l'idée d'aller dormir dehors, on va le virer, ça. On est comment en termes de nourriture? On est plutôt pas mal. Il fait moins 21 dans la pièce. Il fait peut-être un peu froid. Je pense qu'on peut se permettre de remonter les refroidisseurs, vu que dehors il fait un peu frais maintenant. On consommera un peu moins d'énergie. Tu m'étonnes qu'il a cessé sa consommation de smoke leaf, il n'y en a plus de toute façon. Donc il a pas le choix. Toi, tu en es où, toi? Importante, prochain traitement dans 5 heures. L'immunité a dépassé la progression de la maladie. Ça devrait le faire, je pense. Les trucs sont en train de s'entretuer, là. Ok, c'est le cochon. On a besoin de bois par contre. Ouais, on a plus de bois. Donc, ordre couper du bois. Allez, go. Vous savez quoi faire. 13 degrés dehors, 21 à l'intérieur. Je pense qu'on va bientôt pouvoir couper ça. Hop, il y en a 3 de mémoire. Je pense qu'on peut les couper. Et rallumer celui-ci. Hop là, qui lui, on va le mettre à 31. Parce qu'il y en a quand même pas mal de superficie à refroidir. À réchauffer, pardon. La petite démence qui va bien, c'est normal. Jusque là, rien de anormal, justement. Les chats, ok, ils dorment ici, c'est parfait. Donc on a pris un mâle et une femelle, hein, bien entendu, si jamais, pour nous faire des petits chachas. On pourra les revendre après, derrière. J'aurais pu garder un couple de Yorkshire aussi, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Malaria extrême, 91-95% d'immunité. T'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Et normalement, tu as une chambre, voilà, ici, qui t'attend. Et là, pourquoi? On n'a plus suffisamment de fourrure, c'est ça? ouais, ils ont dû faire un truc avec la fourrure de grizzly, je pense. Est-ce qu'on irait pas chasser un grizzly pour l'occasion? On va faire ça. C'est Benico et Cooper qui vont s'en occuper. Ah, il est un poil loin. Feu, feu, feu. Non, 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 Cooper, 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 Cooper. Il l'a senti, je crois. Merde. Pardon. Il l'a senti, le... Ah, mais c'est pas possible. Pourquoi un coup, il peut, un coup, il peut pas?
Allez. Cours, 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 fils, cours. Bien joué. Bien joué. Parfait. Parfait. Il y a un warg là. Est-ce que il faudrait pas le chasser ou tenter éventuellement de le dresser pour éviter qu'il bouffe toutes les gazelles? Ah, il y en a un autre ici. Celui-là, on va le chasser. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais Cooper, t'es sérieux? Voilà. À un moment donné, je veux dire, voilà quoi. Parfait, tout ça. Ok, donc, il y a un truc dont il faut que je m'occupe, c'est cette batterie. Faut qu'on la déplace. Il faut qu'on la déplace. Fusion électrique, lumière colorée, culture hydroponique. Je vais le prendre maintenant, avant que l'hiver arrive. Histoire de prendre les devants. Allez, on se fait raid, ça faisait longtemps, tiens. Le mec arrive en pod quoi. Lance de balles incendiaires. Lanceur. Ok. Pas de problème. C'est la guerre que vous voulez? Ben c'est la guerre que vous allez avoir. On envoie toute la famille là. Tous ceux qui savent manier une arme de près ou de loin, ils y vont. Parce qu'en plus les mecs ils arrivent en mode on n'a pas le temps. Benico, sniper, tu viens ici. Cooper. En détachement avec Mazalou. Vous venez ici. Nikita, toi tu es plus close combat. Donc tu viens ici. Ça pue. Il est où le mec avec l'arme dangereuse? Il est là. Il est hors de portée. On va envoyer Nikita dessus, je pense. Parce que lui, à mon avis, il va être vite maîtrisé. Et Mazarou, tu tires sur lui. Cooper. Cooper, tu continues ce que tu faisais. Ok, lui il est mort, parfait. Cooper, avance jusqu'à cet arbre. Toi, viens ici. Attention Nikita, tu es pris pour cible. Faites gaffe, il va tirer lui avec sa... Va tirer. Benico. Ouah, tcha tcha tcha. Viens ici toi. Oh, il a lâché son arme après le tir dans la tête, j'ai l'impression. Fais gaffe, tu es dans le champ de tir, ok parfait. On dirait qu'il s'enfuit. Haha. Vous enfuyez? Hein? Barrez-vous! Ok. Allez, matériel. Il avait rien d'intéressant. Il est où le fusil par contre là? On veut le récupérer ça. La masse en plastacier, ça on la prend. Non mais attendez, si on va les foutre à poil. On va vendre les fringues, on va les vendre. Y'a pas de raison les amis. Hop. 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 Benico, tu peux pas tenter de sniper toi de là? Essaye de les poursuivre un peu. Nikita. C'est trop loin. Faudrait juste éteindre le feu là. Ouais, il faudrait que vous veniez éteindre le feu. Ok, d'accord, j'ai compris. Voilà, merci. Ok, Benico rentre à la maison. L'arme, on récupère. Oh,
les gars. Ok. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Alors, juste, on va faire un truc. La zone animale. On va un tout petit peu la changer. Tac. Voilà. Voilà. Ok, nickel. Ce qui fait que... Hop, les animaux. Voilà. Non, toi, tu peux rester en zone de base, par contre, le loup. Non, parce que les chats, là, j'ai vu qu'il y avait un warg ici qui se baladait et tout. Vu qu'ils sont en zone de base, si jamais ils se baladent un petit peu trop dehors... Corne, ça s'arrête jamais. Est-ce qu'il y en a un armé qui dort pas? Mazalou. Viens là, Mazalou. Recule. Viens l'aider, toi. Pas de là, pas de là. Sale bête, hein. Allez. Tu peux retourner vaquer à tes occupations. Commence à faire froid dehors. Dans la maison, il fait bon, par contre. Il y a une vague de froid. C'est donc pour ça. Il commence à faire un peu trop froid même, je pense. Il serait temps, à mon avis, avant qu'on perde la récolte. Ordre, récolter. Je pense qu'il est temps de récolter. Avant qu'on perde tout. Ça serait dommage. En tout cas, on a stocké de la bouffe. Ça, on peut pas dire le contraire. Et ouais, tu vois, ça commence. Ça commençait à mourir. Donc ça a été plutôt bien senti. Qu'est-ce qui se passe? Racine de vie, c'était quoi ce bruit? C'est un bouclier, je crois. Ok. Je suis pas sûr, mais c'est pas grave. Moins 38, il fait dans la pièce, là. Bon, bah écoutez, ça se passe bien. Il fait peut-être un peu trop froid là-dedans. Ça se passe bien, ça se passe bien. Lui, il se fait soigner. Parfait. La maison... peut aller ici. Température. Alors on va mettre un autre radiateur. On va le placer toujours dans cette grande pièce ici. Voilà. Et de la ventilation pour ici. Voilà. Et ici aussi. Il manquerait... non, c'est bon. Toutes les pièces ont l'air ventilées. Ouais, ça m'a l'air bon. Mis à part les couloirs, mais bon, ça c'est pas très grave. Tout le monde dort à sa place. C'est parfait. Il nous reste... ça à ouvrir. Alors ça, les amis... Je... Je vous avoue que je sais pas trop de quoi il retourne. Donc on va faire ça. Je sais plus si c'était quelqu'un qui était mourant, qu'on avait foutu là-bas dedans ou... Je me souviens plus.
D'accord. Ok. Apparemment, c'était un gars qu'on avait foutu là-dedans. Je sais plus pourquoi. On va aller le. Hein. On va voir ce qu'il avait. Ah, d'accord. Ok. Le mec est pas du tout en état de vivre en fait. Voyons voir. Sur quoi est-ce qu'on pourrait partir? Du mortier? Est-ce qu'on partirait pas sur la télé? Non, on va faire ça, l'énergie géothermique. Pour avoir une source infinie d'énergie. Ce qui pourrait nous être bien utile. Ouais, en fait, lui. Je pense qu'à mon avis, lui. On pourra pas en faire grand-chose. Parce que le cerveau a pris un sacré coup quand même. Du coup, on va le libérer. Est-ce qu'on peut faire ça? Libérer. Il peut marcher, vous pensez? Mouvement critique. Efficacité 30%. Ouais, il doit pouvoir se déplacer. Voilà, c'est très bien. Et le chat? Bon, en tout cas, on a un sacré stock de nourriture. Je pense qu'avec ça, on devrait passer l'hiver à l'aise. J'espère. C'est vrai que ça peut partir vite. On a de la viande qui est stockée là depuis un certain nombre de temps. Ça y est, l'ont guéri. Du coup, il est en train de se barrer, non? Ouais, il est en train de se barrer. Parfait. Allez. Bonne chance. Oh, encore? Peut-être que c'est lui qui venait chercher. Grenade, fusil. Ah oui, ça me fait penser que... Avant la fin de cet épisode, on va construire un petit truc. Défensif, des familles. Histoire de se protéger. Parce que là, ça va plus du tout, cette histoire. Allez, on emmène tout le monde. Ok, ils sont juste là. Va te cacher. Aïe. Va te cacher, toi. Aïe. C'est bon, il s'enfuit. Cartouchez-moi ça. Voilà. Bien joué, les amis. Alors, qu'est-ce que tu as pris toi comme dégâts? Aïe aïe aïe. Elle a plus de bras gauche. Elle a plus de bras gauche. Donc forcément, pour tirer à la mitraillette, ça va être compliqué maintenant. Oh non. Un peu churette. Oh, ma pauvre Tail. Ben, je crois que pour toi, il n'y aura pas de caravane, malheureusement. Bon, alors. On en est où des tombes? On a de la place, ça c'est bien. Lui, il sait faire quoi, lui? Ouais. Ok. Tu es pas mourant non plus. Donc on va te capturer. Nous allons te capturer. Hop. Hop, on récupérera les fringues pour les revendre. Rasoir en uranium. Pareil, ça peut se vendre. Hop, la drogue ici, on la récupère. J'avais pas vu. Plutôt, je l'avais oublié.
On n'a pas eu un autre ici qui est mort? Non. Apparemment, non. Caravane qui arrive à Star 6, en sérieux les mecs? Des œufs de poule. Il y en a énormément, 102. On récupère. Bien le bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Tiens, prends la masse, prends. Prends ça aussi. Prends ça. Ça c'est vraiment de la merde, prends-le. Un fusil de précision horrible, prends-le. Le pistolet bâclé, prends-le. Ça on va le garder. Ça aussi, ça aussi. Tout ce qui est grenade on va garder. Les chats, on va les garder. Du penminkan, on s'en fout. Des herbes médicinales, on en a 33, ils en vendent un peu quand même. Non, je vais pas les... je vais pas. On va juste prendre l'argent, nous. Ouais, on prend juste l'argent. On commence à avoir un peu des sous là. On commence à avoir un peu de sioux. C'est muy bien. Est-ce qu'il fait chaud dans la maison? Non, il fait 10 degrés. Ça va pas du tout cette histoire. Un colon a besoin d'aide. Pourquoi? Non, c'était tout à l'heure, ok. Par contre, ce qui serait bien, c'est que la caravane ne parte pas tout de suite. Bonjour. Au fait, j'avais oublié, mais on a encore des trucs à vous vendre. Tiens, prends ça. Prends tout ça. Voilà. Après, tu auras plus beaucoup d'argent à me donner, tiens. Les fringues, tu prends pas les fringues? Comment? Non? Bon. Écoute, en tout cas, nous, on prend l'argent. Ils ont plus de sous. Ah, c'était quoi ce bruit encore là? Ma foi. Il a pas d'arme à distance, c'est vrai, mais mon gars, le problème c'est qu'il a plus de bras gauche. Donc c'est dangereux quoi, tu vois, de le faire tirer. Je veux bien hein, moi lui donner si on lui donnait des grenades du coup. Ah ouais, on va faire ça. C'est parfait ça. Ah mais attends, non, 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 c'est très mauvaise idée. On va lui donner un fusil à pompe. Voilà. Parce que des grenades, il va partir chasser avec les grenades. Attends, à moins que je l'enlève de la chasse. Ouais, tu me diras, le fusil à pompe, petit Rain. Bah, bah, la Terminator, ça devrait le faire, je pense. Bon. Bah écoutez, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Alors, par contre. Hop. Prisonnier. Dialogue amical. Parler et recruter. Et on va tenter, on verra bien. Un chasseur. Pourquoi t'as mis un bouclier? Qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que c'est qui est en lambeau? Ton bonnet. Bon, on va vous faire des bonnets. Pas de problème, les amis, pas de problème. On va s'occuper de tout ça. Mais, ce sera... Ah, attendez, excusez-moi. Donc oui, du coup, désolé, comme je vous le disais, mais, c'est la fin de l'épisode, donc on va se laisser là. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien, soyez prudents, prenez soin de vous, et attention aux capsules et aux raids des méchants qui veulent venir vous bouffer. Je vous laisse là, soyez prudents, allez, ciao, à bientôt, bye.